Ah oui, bonjour Marie-Claude. Oui, effectivement, nous sommes arrivés ici à Ostende pour le European Bridge Championship où j'ai joué le mixte avec Marie-Claude Gouverit. On ne s'est pas qualifié, mais enfin bon, c'était assez amusant et puis ça a duré 4 jours. Il y a eu des donnes amusantes. Sans ça, nous avons été à Bruges aussi hier, qui était l'ancienne ville flamande qui est capitale mondiale de l'humanité, patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO, et qui est l'ancienne, c'est dans genre duc de Bourgogne, dans les temps de Charles le Téméraire. Je dois dire que c'est assez impressionnant, cette ville où on retourne dans le Moyen-Âge. Ici à Ostende, c'est assez sympathique parce que c'était une ville royale. Les rois avaient l'habitude de venir passer des vacances ici. Alors c'est quand même assez distingué, un peu relevé. J'ai pas encore tout vu, mais il y a encore pas mal de choses encore à voir. Bon, je verrai encore si je vais jouer. Et à bientôt. Thank you.
1917 steeds in hetzelfde huis in de Vlaanderenstraat. Zijn atelier bevindt zich op de eerste etage, boven de tussenverdieping. Van iets dorp filmt Ensor bij de terugkeer van zijn wandeling. Zoals altijd is Ensor vergezeld. Zijn trouwe dienaar. Hij heeft ook zo graag de artikels lezen die over hem verschenen. En dat was het minstens één of twee. Hij werd stilaan meer en meer beroemd en vleide hem. Men kon het hem aanzien hoe deze zestiger kan eindelijk erkend worden. Believe mij een dag aan te duiden, zaterdag of maandag. Helaas heb ik het erg druk op zaterdag. Meerdere barbaarse bezoekers hebben zich reeds aangemeld. Maar maandag bevalt me uitstekend. Dan zou u alle gelegenheid hebben om alle vrede de voorwerpen en wezens in mijn atelier te fotograferen. Lacan d'amour, ofwel Flirt voor marionetten, is een pantomime ballet in één bedrijf en twee taferelen. De muziek, de decors en de kostuums zijn van de hand van James Ensor.